Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Pierre, papa de 4 enfants, le chanteur Calogero n'est toutefois pas du genre à trop se livrer sur sa vie intime. Invité de l'émission Vivement Dimanche sur France 2, le populaire artiste a cependant fait une confidence sur sa fille Rita. Calogero est le père de 4 enfants. Un rôle de patriarche qu'il apprécie, lui qui a trouvé refuge avec son clan dans le chic coin du Cap Ferret. Interrogé par Michel Brucker le 20 juin 2021 sur le canapé rouge de Vivement Dimanche, il a fait une assez rare confidence sur cette casquette de père de famille. Depuis que le monde de la culture sort doucement la tête de l'eau avec l'allègement des contraintes sanitaires alors que la pandémie de coronavirus n'est pas encore définitivement derrière nous. Calogero a pu relancer la promotion de son dernier album intitulé Centre-ville. Sur le plateau de France 2. Alors que la pochette apparaissait sur un écran vidéo, le chanteur n'a pas caché sa fierté et a fait une inattendue confidence. Tu as vu les chaussures léopard? C'est ma fille Rita, 5 ans, qui les a choisies. Elle m'a dit, papa tu mets ça, a-t-il confié à Michel Drucker. Une future fashionista ou styliste, Calogero a aussi pu évoquer le titre inédit récemment sorti intitulé « Double Papa ». En duo avec Aldebert, qui figure sur l'album de ce dernier attendu en août prochain. Une chanson désormais portée par un clip et qui évoque l'homoparentalité. Calogero est le papa de Rita, 5 ans, ainsi que de Pio, 7 ans, né de son histoire de cœur avec la chanteuse Marie Bastide. Il est aussi le père de 2 grandes filles, Nina, 17 ans, et Romy, 14 ans, issues d'une précédente histoire. Il a rendu un bel hommage à ses enfants dans sa maison du Cap Ferret, où il possède un studio d'enregistrement baptisé Ronnie Pierry. En prenant les premières lettres des prénoms de ses 4 enfants. Il y a un côté bout du monde, un mélange de tranquillité et de discrétion qui me convient très bien. C'est familial, convivial, nature et rassurant pour les enfants. Moi qui n'ai pas le sommeil facile, c'est l'endroit où je dors le mieux, disait-il aux Parisiens en décembre dernier.